Bonsoir à tous, la semaine démarre par une petite hausse pour le CAC 40, dans une ambiance calme alors que Wall Street est restée fermée. Et du vert pour le secteur bancaire et notamment pour Crédit Agricole. Sa banque de financement et d'investissement espère réaliser jusqu'à 200 millions d'euros d'économies d'ici à 2015, selon l'AGFI. Le titre Carrefour repart de l'avant. Crédit Suisse a décidé de le faire entrer dans sa liste de valeurs préférées. Air France aussi bénéficie du soutien de la banque. Belle performance également des utilities, EDF, GDF Suez, mais aussi Veolia. Et puis des gains copieux pour Technicolor. Les investisseurs parient sur une nouvelle technologie développée par le groupe. Une séance plus compliquée pour le secteur du luxe, affecté par la publication de Richemont ce matin. Le groupe suisse qui détient notamment le joaillier Cartier a émis des prévisions prudentes. Il a par ailleurs annoncé des ventes en hausse de 5% au titre de son troisième trimestre, contre une hausse de 7,6% anticipée par le consensus. De quoi peser sur LVMH, lanterne rouge du CAC 40 ce soir, mais aussi sur PPR. C'est la fin de ce flash, je vous donne rendez-vous demain matin dès 9h30.